Oui, en effet, un peu d'appréhension déjà parce que c'est une nouvelle expérience et quand on dit nouvelle expérience, finalement, il y a une petite appréhension, mais de but en blanc, les instructeurs nous ont, n'est-ce pas, mis en confiance, ils ont expliqué le processus, n'est-ce pas, auquel nous devrions être soumis. Et du coup, tout s'est passé dans la quiétude. Et heureusement pour nous, les nouveaux venus dans la famille des instructeurs WSDC. Clairement, clairement, au-delà d'ailleurs de cela, parce que généralement, quand on parle de formation en un temps aussi complexe, aussi court, généralement, on en retire très peu. Mais une fois encore, les instructeurs ont préparé, ont élaboré un bon plan pour que nous puissions capter, n'est-ce pas, tous les détails appropriés pour pouvoir, avec, n'est-ce pas, l'aide des différents manuels disponibles, ou mis à notre disposition, nous avons, n'est-ce pas, pu recueillir les informations nécessaires pour, à partir de maintenant, commencer à aider le basketball africain, spécialement au niveau jeune, pour que le futur du basketball africain soit vraiment très, très, très protégé. Et si cela est bien fait par nous, les instructeurs, les coachs, ou alors les coachs candidats seront bien formés. Et cela, n'est-ce pas, va avoir un snow effect positif sur le reste. Ce qui dit les joueurs seront bien formés. Et qui dit joueurs bien formés dit compétition de haut niveau, de bonne qualité. Et qui dit bonne qualité, généralement, a une bonne chance de pouvoir gagner. Bilan positif. D'ailleurs, nous, les instructeurs candidats, nous avons, n'est-ce pas, pu recueillir ce feedback déjà des instructeurs, juste un sentiment de satisfaction, un sentiment de devoir compris. Le reste maintenant, comme on dit, nous sommes des acteurs et il faudrait bien que nous nous mettions au travail pour que les choses se développent de la meilleure façon possible dans le continent.